Bonjour à mes petits élèves du lycée Thibault Champagne. Bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer les caractéristiques du champ magnétique terrestre et en quoi les données paléomagnétiques ont permis de conforter l'hypothèse d'Edmond Hess en 1962. Donc, concernant le champ magnétique terrestre, vous avez vu dans la vidéo précédente que la Terre contenait un champ magnétique terrestre. Une des preuves d'ailleurs, s'il vous en faut, ce sont les aurores polaires. Que sont les aurores boréales? Ce sont donc une interaction entre le champ magnétique terrestre que vous voyez ici avec ces lignes de champ et les vents qui capturent les vents solaires et qui nous protègent de ces vents solaires. Donc ça, c'est une preuve du champ magnétique. À première approximation, ce champ magnétique peut être représenté comme s'il y avait au centre de la Terre un barreau aimanté dipolaire avec, vous le voyez ici, ce barreau aimanté bipolaire avec, attention, un pôle nord dans la région du pôle nord géographique et un pôle sud dans la région du pôle sud géographique. Mais si vous le regardez bien, vous voyez bien que par rapport à l'axe de rotation de la Terre, le pôle nord magnétique est décalé d'environ 2000 km du pôle nord géographique. Il en va de même pour le pôle sud magnétique. Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est que certaines roches, comme vous allez le voir juste après, sont capables d'enregistrer le champ magnétique terrestre et ses caractéristiques. Vous voyez ici, plus on se rapproche la boussole aimantée de ma roche, plus l'aiguille aimantée se rend vers elle, ce qui montre que mes roches sont capables d'enregistrer un certain champ magnétique. À quoi cela est dû? Ce qu'il faut savoir, c'est que le magma, à l'origine du basalte et du gabbro, est riche en éléments chimiques qui permettra, lorsque le basalte et le gabbro vont se solidifier, de créer des minéraux ferromagnésiens qui, eux, peuvent enregistrer le champ magnétique. Ces minéraux ferromagnésiens, lorsqu'ils passent sous une température de 585 degrés, j'ai bien écrit, hein, 5, alors là il est écrit 585, hein, ce qu'on appelle le point de Curie. Le point de Curie, c'est cette température donc de 585 degrés sous laquelle, que Pierre Curie a démontré en 1895, sous laquelle les minéraux ferromagnésiens tels que la magnétite vont enregistrer le champ magnétique terrestre. Donc comment magma se solidifie? Sous 585 degrés, les minéraux ferromagnésiens tels que la magnétite enregistrent le champ magnétique de la Terre, son intensité, mais également sa direction, c'est-à-dire le pôle nord, où est le pôle nord magnétique, où est le pôle sud géographique. Or, des observations intéressantes ont été faites par Bruns en 1906. Donc ce scientifique, qu'a-t-il découvert? Il a découvert que, en étudiant les magnétismes des roches volcaniques, il a découvert qu'à certaines périodes, vous le voyez ici, 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 on observe des polarités dites normales, c'est-à-dire que la roche a une direction de champ magnétique identique à celle de la Terre actuelle, pôle nord vers le nord géographique. Mais de manière alternativement et régulière, il observe aussi, vous voyez ici, ici, des roches qui ont une polarité inverse, c'est-à-dire qu'elles ont leur pôle nord magnétique, le champ de ces roches, le pôle nord, est au niveau du pôle sud géographique. Grâce à la datation, nous avons vu que ces alternances de polarité inverse et normale se font sur des périodes de centaines de milliers d'années, mais par contre l'inversion se fait très rapidement en quelques milliers d'années. Donc on vient de mettre en évidence que le champ magnétique terrestre est capable de subir des inversions régulières. Donc ça veut dire que si aujourd'hui le champ magnétique terrestre, son pôle nord magnétique est au pôle nord géographique, cela n'a pas toujours été le cas, il y a eu des périodes où son pôle nord a été au niveau du pôle sud géographique. Or ceci va être intéressant pour ce que nous allons voir juste après. Dans les années 60, d'autres observations ont été faites grâce aux explorations océaniques. Des explorations sont parties avec un bateau, un magnétomètre, et ont enregistré le champ magnétique terrestre à l'aplomb du plancher océanique. Vous voyez ici l'axe de la dorsale. Qu'est-ce qu'on observe? On observe des zones où le basalte et le gabbro, si on enregistre le champ magnétique, on voit que ce champ magnétique est supérieur à la normale, à la moyenne de la Terre, qui est représentée par ce trait noir ici, pardon, qui est représentée par ce trait noir là. Donc ce trait, c'est le champ magnétique terrestre, c'est sa valeur, son intensité. Okay? L'intensité mesurée est des fois supérieure à ce champ magnétique. C'est ce qu'on appelle une anomalie positive. Alors cela est expliqué par le fait que si les basaltes et le gabbro ont une polarité normale, leur champ magnétique s'ajoute au champ magnétique terrestre. Mais on observe aussi qu'à d'autres périodes, à d'autres endroits,
Un champ magnétique nettement inférieur au champ magnétique terrestre, on parle d'anomalie négative. Alors là, on a expliqué ça, on a vu qu'en fait, ce champ magnétique correspondait à des roches basaltes et gabbro, dont le champ magnétique avait une polarité inverse au champ magnétique actuel, et donc il se soustrait au champ magnétique actuel, d'où ces anomalies négatives. Mais ce qui est intéressant, c'est de repérer cela. C'est que par rapport à l'axe de la dorsale, on observe des bandes d'anomalies magnétiques. Alors, regardez l'exemple qui suit. Si on passe au-dessus de l'Atlantique, au sud de l'Islande, si je représente la dorsale ici, ici, ce que vous voyez ici, l'axe de la dorsale, actuellement, vous voyez une bande noire qui est une bande d'anomalie magnétique positive, ce qui est normal, le champ actuel est de polarité normale. Donc le basalte qu'on trouve au niveau de la dorsale a une polarité normale et s'ajoute. Mais ce qui est intéressant, c'est que des parts et d'autres de cet axe de la dorsale, nous avons certes des bandes, mais ces bandes sont parallèle et symétrique à cet axe de la dorsale. Regardez ici, si je regarde ce pic d'anomalie négative positive et ce pic, ils sont bel et bien symétriques à mon axe de dorsale. Si j'observe ce pic d'anomalie négative et ce pic d'anomalie négative, ils sont bel et bien symétriques par rapport à l'axe de la dorsale. C'est cette répartition d'anomalies magnétiques en bandes symétriques parallèlement à l'axe, en bandes symétriques parallèles à l'axe de la dorsale qu'il va falloir expliquer. Expliquer cette répartition avec la théorie fixiste, essayer d'expliquer également avec la théorie de Hess pour savoir laquelle de ces deux théories sont les plus cohérentes.